Héros YouTube, on a du chemin. On a du chemin YouTube. Et pour l'instant, on va descendre. Et aller faire tout ce qui nous reste au niveau du donjon d'Héritine. Qui est où? Qui est où? Qui est là? Elle est là, la sortie. Déjà en bas, qu'est-ce qu'on a? On va descendre en bas. Alors, plus bas, non? Toujours plus bas? Un truc vraiment bas là-bas. Mais non, il n'y a pas grand-chose. Ici, il y a un truc. Ah, ici, on a la remonte. Ouais, je vois où elle mène cette remontée. On va remonter par ici. Écoutez. On va remonter parce que je sais où ça mène. Ça mène ici. Ok. Et puis, c'est déjà bien. Voilà. On peut redescendre. Ok. Pièce rouillée, bah on loot, hein. On loot, loot, ça loot. J'entends une gargouille. J'ai trop raison. Ok. Ça va, au bout de 4 coups dans la remise, elle ferme là. Au bout de 4 coups dans la remise, elle ferme là. Ça fait combien de fois que j'ai failli tomber comme un tardos? Pas bon. Bon pour géant, tout ça, oura. What the fuck? Pas ici qu'on descend plus bas. Hein. Écoutez, on va continuer par là. Bonjour. Vous êtes un labyrinthe. Il y a un trou par là, donc c'est pas par là. Vous êtes un méchant labyrinthe. Toi, c'est sûr. Ok, c'est bon, on l'a eu. Ah, il y a les marées. Titanic, Satillon, ça fait toujours plaisir. Ici, une connerie. Non, oui, ici, bah, ici, il y a les marées, quoi. Ok. Non, pas de trou, pas de trou. C'est très bien. Pièce d'or rouillée ici. Et il y avait un trou là. Ok. En vrai, je vais niquer ces couteaux. Sinon, je vais trop dépenser, pardon. Dépucer. Ouais, je vais tous les dépucer, vous allez voir. Essayez projectile, touffe de l'échelle fleurie. Moins un. M'en fous, je vous double shot. Après, oui, si on est intoxiqué. Ok, c'est pas grave, on va prendre quelques dégâts de poison, pardon. Une gemme empoisonnée. Ok, bon, t'attaques pas. Ah si, t'attaques pile quand j'attaque. Petite popo. Ok, bah c'est good. Et anneau de la morsure maudite, je pense que... Voilà, malédiction, malédiction dans une zone où c'est du poison qu'on se tape. Avec le logisme, le logique dans ce jeu. Ah, pierre de purge, pour se purger, ça fait plaisir. Bon, on retrouvera Henri d'Astora face à Aldrich, un bon laquais, don't forget that. Ça va coûter combien de potions tout ça? Ok. Ok, de toute façon c'est pas grave. Le jeu c'est deux. Voilà. Je tue tout le monde. Et puis maintenant qu'on est dedans, maintenant qu'on est intoxiqué, je vois pas ce qu'on pourrait faire. Et une pierre de confession. Par contre, maintenant qu'on est sorti. Hein. Alors. C'est de la malédiction du coup. Combien de niveaux de carcasse tout ça? 99, c'est vrai. Lol. Ah oui, je me rappelle, vous êtes des mains toutes cracra. Ah c'est chiant.
C'est surtout intuable. Voilà, c'est surtout méga intuable. Ça a trop de doigts déjà. Et ça t'écrase. Non. Vite, une plateforme. Vite. Ouh, ça c'est pas joué beaucoup. Allez, viens là. Viens te battre. On va les prendre un par un. Ils ont tellement de vie. Oh là là, oh là là. Oh là là, puis je me prends le poison du coup. Petite potion quand même. Ok. Ok. Prends le jet, donne-moi tes bouses. Non, 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 tu te fous de ma gueule. Je savais pas que ça te pouvait te grab tout ça. Ok. Mais tu te fous de ma gueule. Oh. Ah, il grab lui, hein, il grab. Après, il en restera un, quoi. Mais déjà, d'où t'es un homme-main? Mais j'ai. Mais putain. Pas facile, hein, pas facile. Ah, il était chiant. Tout ça pour croiser des hommes-mains. 40 doigts. Petite ombre. On peut faire une petite ombre s'il vous plaît. Mion, mion. Hein? Ah, c'est mon bras. Personne voyait en plus. Ok. C'est par où? C'est par là. Bon, on va pas tuer les araignées de leur mort, on va juste go to the salle et voir ce qui s'y trame. Ok. Comment ça, il y a une gargouille? Pas entendu une gargouille, moi, j'ai entendu une gargouille, non? Moi, j'entends juste beaucoup, beaucoup d'araignées en dessous. On a tué tout ce qui était machin de titanite et tout. Grand chose à faire, hein. Il reste à aller chercher nos 25 000 âmes. Ok, et aller là-dedans. Ouh, y a rien, y a rien. Ah, c'est des mobs uniques. Oh! Tu sors d'où toi? C'est ça le problème. C'est eux le problème en fait. Pour me donner quoi en fait? 3 pierres de purge. Ça n'a pas marché, ça a tellement pas marché ce que je voulais faire. D'où? Ok. Ok. Mais j'en ai marre. Là, je vais prendre une braise parce que sinon je vais pas y arriver. Putain, mais ils font tout. Ils font tout, ils sont imbutables. Le problème, c'est la vie, quoi. Ils ont tellement de vie. En vrai, je peux me les faire. Si je joue bien, je peux les faire. Ok, ma chope. Ça va, j'ai pas pris tant de dégâts que ça. Je me suis bien débattu là.
Ah, j'ai cru que j'étais pas, j'étais grave. Ah, je suis grave. Ah, mais j'étais grave, mais je l'ai tué. Alors là, tu m'éjectes. Alors là, j'en ai tellement marre de ma vie. On va rentrer à l'intérieur, écoutez. On était bien ici. Oh, donne-moi de la bouse. De la bouche plus 1. Tu te fous de ma gueule là. Vous voyez que ce débat c'est important. Regardez les dégâts que j'ai pris sans me débattre. Plus c'est. Le pire c'est que c'est intuable quoi. Pile au moment où je tape. Non mais c'est bon. Ok. Pour couper l'Eleonara et Léonor là. Qui, comme son nom l'indique, n'est pas présente dans mon inventaire. Putain, il est où? Mais c'est fou ça. Attends, écoutez, on va chercher comme ça. Allez là. 156. Après, elle est en DE, ça pique ça. Pas les meilleurs attributs du monde. Ok. Ok, c'est good. Bon, j'ai vu un truc ici tout à l'heure. On monte. On a battu les pras. Qui nous ont coûté la moitié de nos. Trois quarts de nos potions plutôt. Ok. Après, il a l'air d'être solo. Alors là, on recule pas comme ça. Alors là, j'ai juste envie de te pulvériser. Ok. Non, mais il tourne et tout, quoi. Ok. Donne-moi ta bouse, baby. Je vais de la cour. Ici, on a un petit chemin. Inutile, hein? Utile et donc inutile. Ah, on est là. Des détritus. Ah, en termes d'inutilité. Ah, ouais, non, mais. Ils ont prévenu que ça servait à rien, quoi. Et en plus, toi, tu flippes. Vraiment pas cool, quoi. J'ai déjà combattu des bras. Maintenant, je combats des hommes-bras. Enfin, des coffres. Ok. C'est bon, vous avez fini vos conneries. Catalyseur de Logan. Ennemi redoutable droit devant. Bah merci. Je loul comme si j'avais pas vu. On continue. Rien par là. Attention, esprit sombre. Tu parles de ce machin? Qui a une torche à la place de son épée? Bon, je suppose s'il touche lui. J'ai prévenu. Ok. Et en fait, il faudrait que je fasse ça un petit peu plus souvent quand même. Le parchemin de Logan, ça me plaît. Colère des dieux. Attention aux monstres. Non, mais si tu rentres dans cette salle avant, c'est bon en fait. Pas de soucis. Combien de temps qu'on stream? 1 heure, ça va. Ok. Moi j'ai peur de me faire backstab par une connerie, surtout flèche empoisonnée. Et il n'y a plus rien par ici. Non, nada, nada. Oh, faut le tenter ça. Oh, ça se tente. Mais je veux juste voir par là d'abord. Qu'est-ce qu'il y a si ça débloque un raccourci?
Ou une autre connerie de genre. Cachette droit devant. Attendez, attendez, attendez. On retombe au dirigé ici. Ok, ça a pas l'air d'être compliqué. Ça l'est tellement pas. Y a rien. Y a nada nada du coup ici. Clé de la vieille cellule. Qui donne? Anneau machin du serpent convoité doré. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Si, si, non, mais c'est toujours mieux quand même. En plus, on prend pas dégâts de chute, on a de quoi essayer. Bref. Si, 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 on peut essayer d'avoir des bons trucs. Après, je sais pas c'est quoi le rendement en perso attache. Si j'ai genre 7 de 1% de plus, ça va te tenir nice. L'air message, essayez de combattre à distance. Oh, on redescend ici. Bah, c'est cool, on avait pas fouillé. Bah. Et du coup, clé du joaillier, voilà. Alors, je viens d'atterrir, tu me laisses tranquille. T'es bon, on avait fini? J'ai plus de vie. J'ai plus de vie, va falloir que je me débrouille juste avec ça. J'espère que ça mène à un endroit trop bien et tout là parce que. Putain, ça mène là. Bon bah c'est tout fouillé, enfin. Il reste 2 endroits à fouiller. Qu'on va aller faire maintenant. Hop. Alors, premier endroit. Il est où le premier endroit? Ah putain, je sais même plus. Mais putain! Non mais oh! Non mais oh! Mais je peux rien faire! Elle me casse, je pouvais rien faire. Il est où le premier endroit? Ok, elle est là. Relativement légère, elles font partie des actions qu'on retrouve sur le bon nombre de points dans les chevignons. Mais la plupart des guerriers sont pratiquement au machin. Ok. Ben, on va chercher nos armes, quoi, c'est juste avant. Bon, au moins, il y avait un raccourci ici. Alors, déjà, toi, tu dégages, tu mets tes 3. Ok, on récupère nos armes. C'était par là. Nice. Excusez-moi. Excusez-moi, c'était ici. T'as intérêt de donner un putain de truc. Cendre du chef prisonnier. Oh, c'est des putains de cendres. C'est trop bien. C'est trop bien des putains de cendres. On va avoir vraiment toutes les cendres de tous les jeux. Ok. Ok. Voilà, pour nous préparer notre machin des tout ça. Nice. Ok, remplir l'ascenseur. De toute façon, on n'utilisera pas ça longtemps. Eh ben c'est long, c'était long toi. Eh ben dis donc. On pensait qu'on meurt de la chute d'ici. Après c'est comme dans Minecraft. C'est au bout de 4 blocs, tu prends pas. Enfin au bout de 3 blocs tu prends pas de dégâts, mais quand c'est plus, tu prends masse. Dark Souls c'est comme Minecraft. C'est très CS, de toute façon c'est très CS. Alors c'est pas là. Je vais perdre ma vie à une vitesse. Si je crois mon astrologue. Ouais, j'ai un astrologue.
Salut, oui. Ok. Ouh. Ok. J'ai même pas lu, j'ai pas eu le temps de lire, je pouvais pas. Bon bah Iridil c'est fait. Bien sûr, on a tout fait. On a quasiment tout fait. On va filer les cendres et tout. Dégâts, on passe à 46 avec la force. Hop. Il nous reste 20 000 âmes sur les trucs à faire. Le chef des prisonniers. Ah, magnifique, ouais. Ok. Action One. Salut. Salut, Richard. Putain, je sais pas comment. Magnifique, ouais, ils sont de qualité. Blablabla. Ok. Toujours un viewer? Bah oui, toujours un viewer. Mais je te remercie. Mais pourquoi? Hein? Vous vous êtes mis à combien là? Non mais oh. Non mais je suis un viewer d'habitude. Pourquoi vous êtes 500 là? Laissez-moi tranquille. Yo, merci en tout cas, c'est très gentil de ce raid. C'est très gentil de ta part. Écoutez, bon bah là. On est de son live qui est cool. Ah. Bah j'en sais rien. Pardon. Merci des follow, en tout cas je vous remercie des follow. Vous me laissez faire un résumé de ce qu'on fait là ou vous comptez marceler? Parce que je peux porter plainte. Écoutez, on est en mode chill ce soir, on est toujours en train d'avancer notre cinquième run de Dark Souls. Je live depuis peine une heure. Hein. 1h10, 1h20 je crois que je live. On est en train de lancer notre cinquième run de Dark Souls là. Mais enfin la deuxième en vidéo, tout blabla quoi. Et bon, on fait le typical guerrier, on essaie de voir un petit peu, on vient de finir Eritil et là on va aller first try. L'autre connard. Tiens, prends l'anthracite. On va les tuer le gros. Putain, je sais pourquoi j'ai perdu son nom. J'ai vraiment perdu son blaze là. Non, ton premier stream sur Twitch c'était quand? Il y a 2 ans. Ça fait. Ouais, il y a 20 mois. Ça fait 20 mois que je stream du minimum 2 à 3 fois par semaine. J'ai une chaîne YouTube avec bientôt 1000 vidéos. Eh, hey, road to 1000 YouTube. YouTube, road to 1000. Voilà. Ah bah non. 2 ans plus tard, oui. Oui, 2 ans. Ça fait 2 ans que je suis à 2 viewers. Ouais, ça me va. Hein. Ouf, allez, allez, on le tente. Ouais, allez, on y va. Ah, on va visiter quand même autour. Ah, mais non, les gargouilles. Ah, oh, j'ai envie de me le faire. Ah, les capitales profanées. Mais vous pouvez venir découvrir. Un petit peu, si ça vous plaît, vous n'êtes pas obligé de rester. Hein. C'est très gentil de passer, c'est très gentil du raid. Je te remercie, Malwix. Dormez bien. Oui, ouais. YouTube, ils vont pas rester. Hein. Je vois que ça va déjà gueuler en mode ouais, les gars, ils sont venus 30 secondes. Bah oui, mais ils venaient d'un raid. Ils sont venus découvrir et puis sûrement qu'ils repasseront. Pas un problème, ça. On n'oblige pas les gens. Ah, ça va être chiant. J'ai quand même envie de me le faire. Ah, là, on visite, on se. À la prochaine, bisous. On visite ou on se le fait? Oh, on n'a même pas brûlé le fragment d'os. J'ai envie que la gargouille vienne quand même. Tu veux pas te rapprocher, cocotte? Ok, on va la faire venir. Ça, c'est une préchote de boule de feu, ça. Si c'était pas du préchote, je m'appelle Thierry Henry. Et je chante des chansons toutes nues. Ok. Ok. Oh, ça lui manque un coup. Non, mais je suis fou. Lance enflammée de gargouille. Ouh, ça donne envie.
Allez, faites du feu. Ah, elles sont peut-être chercheuses. Ok, ça va être good. En tout cas, c'était cool. Là. Je me suis jamais fait raid de ma vie. Grand âme de carrière épuisée. Ah, il y a une double garou ici. Ah, je le sens. Combien je vous fais de coups? C'est du triple shot, j'ai envie de me tuer. C'est fou de pas double shot ça. Ah ah. Ok. C'est fou de pas double shot ça quoi. J'ai envie de me tuer rien que pour ça. Gargouille, il me met garoulou là. Ok. Ok. Petite popo, glou glou. Ok. Il va falloir attirer une gargouille. Oh, y'a vous. J'ai failli vous louper. Ok, on va tous les faire un par un. Non, mais il est chiant, lui. Laisse ton feu tranquille. C'est bon, t'as fini? Ok, merci. En fait, j'aimerais bien attirer la gargouille qui va venir d'ici. Il se passe rien pour l'instant. Il se passe rien pour l'instant. Elle est là. Et l'autre, elle doit être là-dedans. J'ai envie d'activer elle, en fait. Donc c'est fou, ça, je veux... Ok. Ok, ça, c'est bon. Je vais aller dormir, mais je compte vraiment revenir sur tes streams sur ce bonne soirée. Eh ben, c'est très gentil, toi aussi. Et vous revenez quand vous voulez. Enfin. Je serai dispo. Je ne fais pas que du DS. Hein? Rendez-vous demain pour du DS quand même. Et peut-être demain pour du DS. Ah oui, et sûrement demain des DS. Ok. Ok, mais c'était très gentil de te passer. Oh non, mais les streamers uni-jeux. Alors si, c'est bien parce que le public qui veut ce jeu bah, aura toujours ce jeu. Mais après, en termes de... Voilà, moi je suis... Bah, je peux pas être plus multi-gaming que ça, quoi. J'ai fini 40 jeux à mon actif. Bon allez, j'en ai fait combien en stream en vrai? Il est censé avoir deux gargouilles, j'en ai moins qu'une seule depuis le début là. Avec votre petite dague de mort que vous allez me casser les couilles. Ah, mais merci, hein, c'était très gentil. Ça fait plaisir de voir autant de monde. D'habitude, j'ai un viewer. Et bon, après, moi j'ai envie d'avoir autant de monde, mais pour du débat. Ça serait cool aussi. Tu me prends la grosse, s'il te plaît, merci. Genre un jour je parlerai avec des gens dans le chat. Et un jour on fera même une FAQ, vous imaginez. Bon, ça sert à rien. J'adore. Oh, le symbole d'avarice. Nice. Ok, petit 365 dans ta gueule. Oh, tu m'as chopé. Ok. Oh, je passe entre tes jambes, t'as cru quoi? Allez, qu'est-ce que tu donnes, toi? Des pièces d'or rouillées, bah, hey. Non, c'est bon. Voiture. Voiture de ce qu'on fait. Bon, c'est bon, on peut aller se faire le profondeur des ténèbres.
grand vainqueur de la belette de Winchester, mais bon. Excusez-moi. Ça m'a. Voilà. Ça peut arriver à tout le monde. Ok, il y a un truc ici qui sont des pièces de. Normal. À chaque fois, ils mettent des pièces d'or, des pièces de machin, mais t'as vraiment ce truc qui a une symbolique, genre, il va falloir le faire. J'aime pas du tout les commentaires, c'est assez rare, moi j'ai envie de tout lire. Imagine, j'ai 4K viewers et je dois tout lire. Rien que 600 viewers tout lire. Rien que 100 viewers tout lire. Ça a l'air d'être méga chaud. On peut pas tout lire. Ok, bon. Du coup, on est censé. Non, on est censé retrouver personne ici. Si on avait fait la quête du chevalier en or, on aurait pour trouver le chevalier en or ici. C'est vrai. On n'a pas fait la quête du chevalier en or parce que je sais qu'à partir du moment de la quête, il devient méchant et tout. Et son but du jeu, c'est de tuer le maître des ténèbres. Et il lâche son épée des ténèbres. Son maître des tempêtes. En récompense. Plus d'autres trucs. Ok. Pardon, poussez-moi, excusez-vous. Non, vraiment, les boules de feu sortaient de charge. Le virage qu'elle a fait. Ok, j'ai eu peur. Ça a tendance à envoyer des boules de feu ici. Ok. Ok. Ah bah t'étais assis, je suis désolé. Ami? Ami? Maître des tempêtes, maître des tempêtes, maître des... Ok. Maître des tempêtes, elle est là. Ok, casse pas toute ta salle, hein, c'est chez toi et. Oh, tu casses tout chez lui, quoi. Déjà deuxième phase, what? Ok, c'est pas grave, c'est une éjection. Ça dégage. Ok. C'est bon. Fais chier. Ok. Ok. Oh bah il m'a pris mon coup quand même. Vas-y, fais ton lac de feu. Et c'est fini pour toi, maintenant. Oh, easy, easy. Où est-ce qu'il est, mon machin? Je crois qu'il est pas là. Mais je perds mes armes, mais c'est fou. Elle est là. Non, elle est là. Cendre d'Assommoir et lame de machin. Et 39 000 âmes. Si on avait notre bouclier de la convoitise, on aurait eu un petit peu plus d'âmes quand même. Et ben voilà, capitale profanée, c'est clear. Enfin, tout irait-il, c'est clear. J'ai vraiment l'impression qu'il manque un feu quand je vois les trois. C'est fou, c'est vrai, hein. Il nous reste Aldrich. Ah, 78, ça fait plaisir ça aussi. Ouais. On peut passer à 355, on peut passer à 354.
Ouais, après, on a de la résistance ici qui va se faire. Ok. Ça, lui aussi. Toi, je vais t'acheter. Ça. Et. Je vais prendre une dague, mais on va pas avec. Y a lui. Y a plus grand chose. Y a plus grande personne à qui parler. On n'a pas sur les tuyaux à renforcer, on n'a rien à renforcer, surtout pour notre arme. 5 sur 8, je vous ai dit, il en manquait 3 quoi. Bon, on va passer machin et on va aller tuer la vallée boréale. Oui. À partir de Vort, je pense. Vort, ok. Ouais, comme ça on la préchote parce que j'ai pas envie qu'après Eldritch je sois en plein combat et que je galère ma race. Donc on va les tuer. Elle est tellement faisable, c'est pas un problème, vous inquiétez pas. Anneau de Seros, l'ancien roi de l'autre, qui a les dégâts infligés par les coups dans le dos. C'est précis quand même. C'est pas rien d'autre que tu mets. Et qui augmente la foi. Ça, tu vois, c'est encore précis, mais ça va. Parce que ça, c'est quand même un truc de personne. Après, l'anneau de Seros en PvP, elle est géniale. Anneau de Seros pour du PVP avec l'anneau du chasseur. Mais qu'on verra beaucoup plus tard, l'anneau du chasseur, il y a moyen. Ok. Putain, je viens de découvrir des trucs depuis qu'on m'a fait des commentaires. Genre, on peut remonter, on peut voir qui t'arrête, quel est son profil et tout. Trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Pardon, poussez-moi, excusez-vous. Ah oui, je vous one shot. Fais voir en fait un petit coup quand même. Par contre, ils font mal encore. Mais je voulais juste voir un coup. Bah, je te double shot. Je voulais être sûr de ce que ça faisait. On n'a plus l'anneau qui augmente un petit peu les machins d'astuces. On a plus tout ça quoi. Ok. Calice de consécration. Et t'as combien de niveaux de carcasse toi? Ok. Allez, petite danseuse. Je te fais du combien? Ah, oh, 217, c'est méga bien. Par contre, celle-ci, on va la tryhard. Hein. Ça, c'est la première phase, donc ça va encore en fait. Oh, tout esquive. Tout esquive. Petite popo, quand même. Alors, certes, esquive. On va quand même boire une double popo, hein, parce que esquive égale j'ai pas de rasque. Oh, d'où? Oh, ce grab. Oh. Ok. J'ai réussi, joué sur le soleil, oui. Bah pas moi. Ok, deuxième phase déjà. Elle sort son EPP, elle va danser. Si, c'est magnifique quand même, hein. Le jeu est beau. Quand je vois la danseuse, je sais que le jeu est beau. Mais par contre, t'as pété toutes les colonnes. Ok. Oh. Je sais pas qu'elle faisait un deuxième truc, j'avais oublié. Ok. Oh là là, d'où tu fais des retournées? Tout est possible, tout est réalisable. J'ai oublié, c'est vrai. Quand elle fait sa flaque d'eau dégueulasse, c'est qu'après, elle va renchaîner. Ok, allez, va chercher ta deuxième épée. Va danser, danse. Triple roulette, tu dis rien, hein?
Si on la first try, c'est génial. Par contre, là, ça va être chaud. Ok, on reste près d'elle. C'est parfait. C'était parfait. Cette game était parfaite. Là, on a trop bien géré. Alors, bon, il y a eu beaucoup d'erreurs, mais on s'en est vraiment bien sorti. J'ai surtout gardé le mental. Le mental était chaud. Et combien d'âmes du coup? Qu'est-ce qu'on gagne? 60 000 âmes. On place le calice. De toute façon, on va quand même faire Aldrich. Mais au moins, on a accès à cette zone. Oh, ce petit first strike de la danseuse. Oui, bon, on sait ce que ça fait. Bref, ça c'est fait. On va retourner à la maison. Et puis partir vers Aldrich, hein. Il nous reste des trucs. Ouais, ça va, ça va. Ça va, je pensais qu'il restait encore masse truc, mais ça va. Ouais, on va quand même vite. Hein. Putain, on va vite. Je vais voir un petit peu avec les âmes, qu'est-ce qu'on peut faire. Ce serait vers toi. Bonjour toi. Début de la trousse. Non, non, non. Mais oh. Je veux savoir ce que tu proposes. Tu vends le grand bouclier d'Urm. 42 force. Grand marteau de Vort qui a l'air d'être bien. Hein. C'est sûr, les attributs. J'ai rien vu en A encore. Par contre, l'espadon du chevalier loup. A l'air de gérer. En vrai, j'ai envie de l'acheter, quoi. J'ai envie de l'acheter et de l'essayer. Ou l'espadon profané, hein, qui a l'air d'être pas mal. Essayons cet espadon profané. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça, mais. Ouais, ça, c'est de l'attribut aussi, quoi. Écoutez, on va acheter lui. Et lui. Ok. On a 2 niveaux de plus. Allez, ça part dans la force. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on avait du coup? Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Espadon profané, fais voir un petit peu. Ok, elle a l'air de faire ses dégâts. Et espadon du loup, machin. Je la vois pas, elle est là. Faut de la force. Mais je pense qu'en épée à deux mains. Ouais, elles ont l'air d'être bien quand même. On va reprendre notre épée plus 3 et notre bouclier, machin. Je vais vendre, hein. On va vendre. Et non, du coup, notre épée plus 3, maintenant on se perd pas. T'es là. On va vendre. Alors, qu'est-ce qu'on vend? 46. On peut vendre ce percemaille, les dagues de brigand, l'épée longue, l'épée droite brisée, l'épée droite d'Astora, on la vend pas. Ça appartient quand même à Astora, quoi. Enfin, ça appartient au royaume d'Astora ou un truc comme ça. Épée des ténèbres, épée de l'héritier, non, l'espadon du pourri, oui. L'espadon de l'histoire, non, épée profanée, non, épée du cheveu, oui. Le mercenaire, oui, le mur à Moku, oui, la rapière, oui, le Uchikawa, oui, la lame noire, oui, la percée des roses, oui, la hache légère, oui, la majeure, oui. Oui, Eleonora, non, la grande machette, oui, le gourdin, oui. Un marteau draconique, vas-y quand même. La pioche, le grand marteau de Smoog, le grand marteau de Voxion, on le vend quand même une sous-race. Le bidon sacré balèque, la famille parvée, là, le barde, ça on a regretté. Ça non. Et. Les griffes de Pantin. Ici on va vendre quand même une arbalète. On va vendre les deux arbalètes. Ici on peut vendre la cloche.
Bâton de l'hérétique et talisman solaire. Ça, on va vendre. Le bouclier avec les pics Balek. Comme tous ces grands boucliers Balek. Le bouclier araignée Balek. Bouclier en bois bleu Balek. Bouclier en bois Balek. Le rondage, j'en viens à voir. Bouclier du faucon doré est quand même bien stylé, j'ai envie de le garder. Ah oui, il faudrait vendre aussi au niveau des tenues. Bon, on verra ça plus tard. Ah, on n'a pas quoi passer un nouveau niveau surtout. Non, même pas. Ah, c'est trop dur. Bon, les bisous YouTube.